Avec Pascal Ballan, Laetitia Hallyday a retrouvé l'amour et le sourire. Si après quelques mois d'idylle, les choses semblent désormais sérieuses entre les deux amants, la pression constante sur le couple, perpétuellement scruté, pourrait cependant tout faire vaciller. Qu'il est loin le temps de l'insouciance à Saint-Barth pour Laetitia Hallyday. Le temps des vacances avec ses filles Jade et Joy et des tendres moments passés avec Pascal Ballan, son beau restaurateur parisien, arrivé dans sa vie au moment où elle s'y attendait le moins. Pour la veuve du taulier, depuis la rentrée, le soleil de son île adorée a laissé place à la grisaille parisienne, et la bienveillance de son entourage aux reproches des fans du chanteur, qui ne lui pardonnent pas d'avoir refait sa vie. En témoignent les critiques nourries qui ont suivi la publication de photos montrant Laetitia sans la croix de Johnny à son cou. Une trahison de plus pour les fans de la première heure. Les deux amants ont jusque-là fait face à l'adversité, unis et complices. Mais la reprise du procès de Laetitia Hallyday approche à grands pas, avec son lot de menaces planant sur l'équilibre du couple. Un équilibre déjà fragilisé par leur vie séparée, lui à Paris, elle à Los Angeles. Et la situation ne devrait d'ailleurs pas s'arranger tout de suite, puisque Laetitia, qui a demandé la nationalité américaine, pourrait devoir rester aux États-Unis pour respecter les conditions d'éligibilité très strictes de la loi américaine. La veuve du taulier risque en effet de voir son rêve s'envoler, à cause de ses séjours réguliers et prolongés à Paris et Saint-Barth. Le couple est-il suffisamment solide pour supporter l'éloignement, mais aussi la pression qui pèse sur leur idylle? Selon des amis proches de Laetitia Hallyday et de Pascal Ballan, le restaurateur vivrait mal les regards et les objectifs braqués en permanence sur eux. Maintenant, il a les paparazzi en bas de chez lui chaque jour. Il est mal à l'aise, a également confirmé Bernard Montiel dans Touche pas à mon poste. Et cette pression ne serait plus seulement en bas de chez lui, mais aussi à l'intérieur même de son restaurant. Des clients auraient ainsi reproché au quadragénaire de s'être mis en couple avec Laetitia, comme l'a révélé Magali Berda, toujours dans l'émission de Cyril Hanouna. De son côté, Laetitia Hallyday pourrait, elle aussi, pâtir de sa relation avec Pascal Ballan. Même si la veuve tente de se moquer du camp, dira-t-on, son bonheur retrouvé pourrait se retourner contre elle au tribunal, si les juges doutent de sa sincérité. En attendant, les deux amants tentent de profiter de chaque instant passé ensemble. Un temps qui pourrait se révéler plus court que prévu puisque, nouveau coup du sort, l'ex-femme de Pascal Ballan, qui vivait à Los Angeles avec les enfants du couple, a décidé de revenir s'installer à Paris. Le restaurateur, qui pouvait se rendre régulièrement aux États-Unis pour voir ses enfants, devra désormais jongler entre sa vie de famille et sa vie amoureuse. Oui, décidément, pour Pascal Ballan et Laetitia Hallyday, qu'il est loin le temps de l'insouciance.